Et re-bonjour tout le monde. Donc voilà, le jeu est redémarré. On va pouvoir continuer notre petite aventure. Et justement, on va fabriquer des potions de... Là, on va prendre des potions de soins supérieurs qui sont ici. Là, ça, c'est une chasseur. Sans contreballe steak. Je préfère dire ça qu'autre chose. Il faut des... Qu'est-ce qu'il faut déjà? J'ai oublié. Où sont-ils? Non, les joues, voilà, ça. Il vous faut des bouteilles, déjà, pour faire des potions. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens fou, toi. Il vous faut des bouteilles. Et aller près d'une source d'eau. Donc, on va faire ça, hop. Oui. Je vais pas crafter les bouteilles, voilà. Pour faire... Qu'est-ce que vous faites avec ces bouteilles? Vous allez près d'une source d'eau, de un bloc de profond, et vous pourrez faire des eaux en bouteille. Faites clic droit. En fait, le maximum. On a 30 chances qu'on en aura assez. Oula. On va déjà... Allez, technique du paresseux. Hop, voilà. Donc, ça m'a servi à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces eaux en bouteille? On peut faire toutes les potions possibles sur le jeu. Qu'on a les potions de peau d'obsidienne qui nous permettent de résister à la lave, les potions de régénération qui régénèrent notre vie, potions de rapidité augmente notre vitesse, potions de branchie respirer sous l'eau, la potion de peau de fer, potion de peau de fer, potion de mana, ouh, augmente la régénération de mana, potion de pouvoir magique, potion de poids plume, spéléologue, qui a l'air assez intéressant, ça se fait avec du platine. Bon, on va peut-être pas faire ces potions, on va regarder ce qu'on peut faire. Bon, après on entre dans des potions increase knuckle map. On entre dans des potions assez difficiles, enfin assez difficiles. Assez spéciales. Reduce ennemi aggression. Yo, summoning potion. L'artfish. Do not consume ammo. Prismite. Où on obtient ça? Increase my life by 20%. Wow. Oula. Il y a des potions qui sont très très intéressantes. Throw this to make someone smell terrible. Sing potion. Wow, you can only... Il y a des potions qui sont... Des potions qui sont super intéressantes. J'ai les fiches. Bon hop, donc on peut pas encore faire de craft assez important. Malheureusement, ça consomme beaucoup. Donc on va faire ça, ça on va mettre ça là. Ça on va mettre ça là. Ça on va garder et on va aller reminer, on va aller chercher du platinium. Parce que le platinium c'est cool. Et qu'on a besoin de platinium. Pour pouvoir faire... Ouais, vous l'entendez, la vitesse. Hop. Déjà la vitesse ça change un peu. Ça fait du bien d'aller plus vite. Et on peut encore aller plus vite. Hein, avec des potions de vitesse. Avec des éléments qui sont enchantés et qui nous permettent d'aller plus vite. On a beaucoup de choses comme ça. Regardons justement avec ça. On peut pas lier, non, il n'y a rien. Non. Oula, c'est bon. Hop, voilà, oula, toi tu vas te calmer. Bon, tant pis. Ouh, un slime rouge, frontons-le. Beaucoup de vie. Combien? Il est mort. Peu importe la vie qu'il avait, il est mort. Il y avait du gel que je vais récolter, hop. Ah, j'ai oublié des... On va aller chercher des bâtons lumineux, c'est toujours très intéressant d'en avoir. Bâton lumineux, une étoile, on va pas la prendre, hein. Ça sert à rien. Bâton lumineux, où est-ce qu'il serait bien? Je sais qu'il y en avait, et là, 74, c'est parfait. Comme ça on verra sous l'eau, parce que moi sous l'eau, je déteste
comme je ne vois rien. Allez, plus vite. Ouais, quand même, vous avez vu la vitesse à laquelle on va. Avant, on était super lent et maintenant, c'est magnifique. Petit champi, on va le manger. Ah, j'ai fait une erreur. Ne mangez pas des champignons comme ça quand vous avez votre maximum de vie fait. Parce qu'on vous allez avoir l'effet comme quand vous consommez une potion, vous devez attendre une minute avant d'en réutiliser une. C'est comme si vous buvez en fait une mauvaise potion ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant on a les bâtons lumineux. Allez, monte. Hop, on va s'arrêter. Oula, lui. Posé en combien? 45 points de vie seulement. On a quoi là? Une souris. Pourquoi pas? On va la laisser en paix là. Elle a rien fait. Wow, tu te calmes. Regardons ici. S'il n'y a pas quelque chose à descendre. Enfin, quelque chose à descendre. Si on peut pas descendre plus profond. Déjà, il faut continuer tout le temps. Ça, c'est pas très dur. Et il faut passer par le biome champi. Ouais, on va aller dans le biome champi, on va descendre. Hop, gratte l'œil, excusez-moi. Ouais. Voilà, l'œil est gratté. Par où c'est? C'est par là, je pense. Oh, c'est bien pratique ça. Notre saut est extrêmement long. Hop, voilà. Ici. On se calme. Il n'aime pas le changement de biome, mon PC. Hop. Voilà, toi tu descends. Notre but, maintenant dans cette deuxième partie, parce que oui, on va dire qu'il y a deux parties. La première partie c'était la recherche de stuff qui nous permet vraiment d'aller le plus vite possible ou d'avoir des choses intéressantes. Maintenant notre but ça va être d'aller jusqu'au bas du monde. Le bas du monde, ce que j'entends par ça, c'est d'aller en enfer. Parce que l'enfer, je vous l'avais présenté, mais on n'y est pas encore allé. Et si vous voyez la map, on n'y est pas encore. Pas encore prêt d'y aller même. Ah, une grotte. Comme vous voyez, on n'est pas encore prêt d'y aller. Il y a un peu du monde. Donc on va descendre. Cherchons une petite grotte. Ici, il y avait un début de trou. Quoi ça? Ah, mais justement, il y a des blocs de limon. Les blocs de limon qui ont le même effet que le slush block. Prendre vite de l'air. On va pas descendre par là, c'est un peu dangereux. On va reprendre quand même des blocs de limon, c'est super intéressant. Maintenant qu'on a l'extractinator. Ouais, avec les blocs de limon, comme ça agit comme le bloc de sable et le bloc de slush, taper en bas, ça va faire le même effet. Ouais, coucou. Là, on va prendre... Ici on commence à descendre vers le biome de glace et j'ai pas très envie d'aller dans le biome de glace. Bon, on est un peu obligé. Hop, on jette ça. Lovely love. Hop, toi tu veux bien mourir. Ah bon, ici, eh ben on peut pas descendre. Hein. On va essayer de trouver une autre entrée alors. On va descendre dans le biome normal, le biome neige commence un peu pas à m'énerver, mais bon. Si vous voulez trouver des blocs de limon, vous n'en trouverez pas dans le biome. Dans le biome de neige, on n'en trouve que dans le biome normal. Les blocs de slush, ça ne se trouve par contre que dans les blocs. Que dans le biome de neige. Bon, je vous conseille, si vous voulez des blocs pour l'extractinator, allez dans le biome normal. Donc forêt ou caverne. Simplement parce que c'est plus... C'est bien meilleur. Les blocs de limon sont extrêmement présents dans ce biome. Les blocs de limon sont beaucoup plus présents que les biomes de... Les blocs de slush. Là vous le voyez, j'ai un bon petit nombre. On va casser. Ça tu viens. 77 blocs. C'est moyen aussi de farmer les pièces si vous n'avez pas envie. Ça tu viens. C'est super pratique.
Mais il faut faire gaffe parce que si vous creusez en dessous de vous, vous allez souvent tomber ou faire des dégâts. Bon, ça, c'est récolté 141 blocs. Bon, ça va assez vite, hein. Ça, c'est un farm très rapide. C'est ces blocs-là. On va descendre par là, tiens. On va s'éloigner un peu. Par la droite. On va descendre, tiens, en ligne droite. Par là. Là, je vous conseille, une fois que vous trouvez pas de grotte, de toute nouvelle grotte, de descendre en ligne droite. C'est vraiment une solution que vous devez faire une fois que vous êtes bloqué. Alors, ici on met ça là, hop. Avec la pioche en platinium, ça va quand même bien. Faudrait que je fasse une comparaison, tiens. Ouais, allez. Ah, une nouvelle petite grotte, ouais. Hé. Blue Thorn. L'orange Blue Thorn, Blue je ne sais quoi. Blue Drought, ce que vous venez de trouver, c'est une racine. Enfin, ce qu'on vient de trouver, c'est une racine orange qui nous permet de faire des colorants. C'est tout ce que je fais. L'arrière-plan que vous voyez qui a changé, je sais vraiment pas pourquoi, à quoi c'est dû. Faut savoir que des fois vous trouverez des arrière-plans qui sont différents. On sait pas du tout pourquoi. En tout cas moi je ne le sais pas. Hop, une petite grotte. Hé. Hop. Ça c'est fait. Voilà, tu te calmes tout de suite. Merci. Buff Banner. Ok. Non. Non. Je l'ai vu venir. En plus, j'ai tapé dessus. J'ai tapé dessus, mais... Enfin, j'ai voulu la casser. Vous l'avez vu, ça n'a pas marché. Heureusement, on a évité la mort de près. On est un peu plus résistant, donc c'est plus facile. Ah, il y a un cœur en dessous. On va aller chercher. D'abord, ici. Hop. Bon, c'est bizarre d'avoir une lueur bleue comme ça au niveau des grottes. Ça me fait penser qu'elle est... Enfin, c'est trompeur. On dirait qu'elle est la lumière du jour. Mais pas du tout, en fait. On est assez loin sous terre. Ça. Hop. Ah, une mer slime là. Sinon, il n'y a rien d'intéressant. Aïe. Rare. Méchant. Ils sont méchants. Et meurt. C'est bien, t'es gentil, t'es sympa. Là, il y a du saphir. Un bon gros filon, tiens. Hop. Voilà. On va aller chercher le... C'est par là qu'il faut aller. Le petit coffre. On utilise souvent quand même, c'est dommage. Il utilise souvent le double saut, mais pas souvent les bottes spectres. Bottes spectrales plutôt. Hop, ça, et qu'est-ce qu'on a, un miroir magique? On va tout... Platinum bar. On va prendre ça. Ça. Spéléologue. Oh oui, c'est beau ça. Et le miroir magique. Le reste, on va le laisser. Des coffres, je pense qu'on en a assez. On va utiliser ça. Là on a des minerais d'argent je pense. Minerais d'argent, ça m'est. On va monter un peu plus haut. Ouh là où il y a du platinium par contre. Ça je le reconnais directement. Des fois il se peut que je le reconnaisse et des fois je le reconnais pas. Excusez-moi. Ici il y a de tout. Petit pot. Ou de petit pot. J'aimerais bien juste atteindre ce platinium, mais il n'y a pas de grotte pour le rejoindre. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? On passe du bloc tout en dessous au bloc tout au-dessus. D'accord. Bon bah tant pis. On va casser. On va monter. Oh, il y a du limon. Du limon. Du diamant qu'on vient de trouver.
Ah mais sans bébé, il y avait une... toujours une grotte ou quoi. Hop, là, on va casser ces trois là. 260 points de vie, 3 minutes, c'est bon. C'est du platinium, j'avais bien raison. Hé, du bon petit platinium. Je trouve quand même assez profondément ce platinium, donc cherchez bien si vous n'en trouvez pas. Mais c'est pas si difficile à trouver. Bon, il faut savoir que c'est pas la partie la plus intéressante du monde, hein. Je vous répète, le minage... je vous montre si vous voulez vraiment savoir comment moi ça se passe au niveau minage, comment je mine. Mais c'est pas les parties les plus intéressantes du monde. Alfred est arrivé, c'est qui lui? Probablement le travailling marchand. On va pas aller le voir cette fois-ci. Il y a plein de fois où on risque de pas aller le voir. Parce que c'est simplement retourner pour rien. Plein de fois là, on est ici. Là y a rien. Ah, on passe dans le biome neige. Je n'ai pas envie. Je n'aime pas le biome neige. On va continuer de descendre. On va aller voir l'endroit où était la mer slime tantôt. Oula. 2 minutes restantes. Oh ben, c'est le coffre. Oui. Mais il y a du platinium, hein. Un moyen de reprendre votre air, si vous n'avez pas moyen, vous faites un petit trou comme ça. Vous allez reprendre votre air très facilement. Enfin, reprendre votre souffle, votre air. Hop, maintenant on va essayer de descendre. Hop, on va aller chercher de l'air, hop. Hop, voilà. Ah non, non, non. Reste 1 minute. On va remonter. De l'air, de l'air, donnez-moi de l'air. Changez l'atmosphère. Petite référence. Hop. Ah moi je veux ça, je veux. Donne. Regarde bien la barre d'oxygène. C'est que j'ai le plus peur. Ah! Vite, remonte. Youp. C'est bon. 47 secondes de spéléologue restant. On va redescendre en ligne droite. Hop. Hop. Si vous mourrez, vous. On regarde vite s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a pas l'air. Vite, 8 secondes restantes. Non, il n'y a pas l'air. Ça va bientôt disparaître. Et voilà. Hop, là, il n'y avait rien. Ici, non. Hop, ça, je veux. Mais je veux la mettre ici, s'il te plaît. Le bloc des limons, on va prendre. Bon, 4 seulement. Qu'est-ce qu'on a là? On aurait un petit biome champignon? Ce serait beau, ça. Ah, on a plus de torches. Plus de torches? Oui, plus de torches. Bon, mais hop, voilà. On consomme souvent beaucoup de torches. Toi, la mer slime, tu vas mourir. Bébé slime, vous mourrez. Ah, un cœur. Haha. Mon petit cœur. Mon cœur. Il y en a un petit cœur. Hop, cristal de vie plutôt. Et on le prend. 280 points de vie. Oula. Qu'est-ce qu'on a là?
va essayer de faire un petit chemin, pas trop dangereux. On va aller chercher ce petit coffre. Sans prendre de l'eau ou quoi. C'est bon, c'est toujours pas très enfin, c'est pas très intéressant de descendre avec de l'eau sur soi, vous n'allez plus vous étouffer, vous allez avoir des problèmes pour remonter. Donc. On a quelle couche aussi. Ah, ça descend, ça descend. Allez. Encore. Ah, c'est dans le biome océan, j'aime pas. Le biome neige, j'aime pas ça. On a plus de chances de tomber sur des coffres de glace. Non, je pense pas qu'on sera sur un coffre de glace. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui bougeait, mais non. Je pensais que c'était un mob. Pas du tout. Allez, dis-moi que c'est pas un coffre de glace. Je l'ai déjà trouvé assez. Ah bah si, super. Bon bah tant pis, hein. On va rentrer par là, Vandal, que je suis, je rentre. Statue d'oiseau, on a déjà une, des fleuriboots sauvages, ouais. On va les prendre. On va toujours en avoir, ça c'est par contre c'est super pratique. Ouais, la potion que je viens de consommer, comme vous voyez, c'est une potion qui me permet de voler tel un petit oiseau. Et j'ai bien fait d'utiliser cette potion. Lovely Johnny. La 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 la. Hop, ici. Tu viens là toi, tu viens là aussi. Cristal de vie. À moi le cristal. J'ai faim. D'autres cristal. Méduse bleue, ma petite méduse bleue. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ouh. Hop, on va faire par ici. Vite un petit trou. Merci à toi le petit zombie mineur de m'avoir montré le chemin de la lumière. Hop, allez descend. Mais pour descendre, si vous avez consommé une potion de poids plume, utilisez la touche aller vers le bas. Alors vous allez descendre plus vite. On meurt toi slime. Ouh, on a trouvé un autre coffre. C'est bon ça. Et là c'est du de l'argent. Ouais, je sais. beaucoup de choses ici. Est-ce que c'est un coffre de glace? Non, je pense pas. On va casser. Allez, rentre dedans. C'est bien mon petit. Un alors génération des super potions. On va mettre là. Des torches. Rien n'est mieux que des torches. Potion de poids plume. Et l'anneau de régénération, je prends. On va prendre le coffre vu qu'il est vide avec. Combien de temps reste-t-il? 3 minutes à la potion de spéléologue. Ah. On va aller là parce qu'il y a du platinium. Le meilleur moyen, je pense, pour trouver du platinium, c'est de vous aider d'une potion de spéléologue. Si vous n'avez pas ça, vous aurez quand même du mal à la trouver. Du mal à le trouver. Et je me demande, est-ce qu'il y a de la démonite là? Est-ce qu'on peut le récupérer avec une pioche en platinium? On va voir ça justement, on va aller essayer. Hop. Casser un peu tout ça. Je pense que non, on ne peut pas récupérer ça. Ah, c'est la nuit. Hop. Viens là toi.
j'espère que ça, ça va être bon. Dis-moi qu'on peut en récolter. Dis-moi, allez. Allez, non. Je m'en fous de ça. Hop. Et oui, oh, on peut le récolter maintenant. Avec une pioche en platinium. C'est quand même cool. Bon, vu que c'est pas très présent, ça reste très peu intéressant. Mais ça peut avoir son utilité. Par ici, il y a quelque chose. On va aller voir, justement. Enfin. Oh, des bagues de limon. On va les récolter. Combien? 210 blocs de limon. Oui. On est bien, là. On en est à 260 blocs de limon, vous voyez les filons qu'on peut ramasser de limon sont juste impressionnants. Oh. On va justement les traiter après, mais... Oh, un cristal de vie. Du minerai de platinium, on va vite descendre un peu, voir ce qu'il y a. Il y a juste ce truc. Ah, d'accord. La statue... Oui. Wow! Oula! C'est le piège évité. Heureusement ça. On va prendre ça. Statue de roi très important. Prenez-la. Parce qu'elle va vous permettre... Enfin, je sais plus ce qu'elle fait cette statue. Je sais qu'elle fait quelque chose. C'est une des statues que quand vous l'utiliserez, quand vous lui donnerez un courant, elle va faire une action. Mais je ne saurais plus dire ce que c'est. Bon, tant pis, on va récolter les blocs. C'est abusé. Hop 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 hop. Allez, suivant. C'est abusé. Ah, c'est sérieux. Oh, j'adore. J'adore ça, quand on mine du limon ou du slush. Mais pas la vitesse, pas proprement, c'est pas de la vitesse, mais... Si, c'est de vitesse que vous allez miner les blocs. C'est abusé. Lui, il est mort. Il y a un cristal, bon. On va utiliser ça. On va utiliser ça aussi. Ah bah, il est juste au-dessus. Je te veux, cristal. Viens là. Voilà, c'est bien. Où est-il? Il est là. 320 points de vie, on est bien là. On commence à avoir une vie assez haute. On va faire un petit trou là pour déposer une torche. Niveau minerai de platinium, on en est à... Ça va jeter 67. De toute façon, on ne va pas faire l'armure Shadow Complete complètement. Pourquoi je prends du platinium alors encore? C'est pas nécessaire en fait, avec l'armure qu'on a, on n'est pas encore obligé de prendre du platinium. Parce que comme vous le savez, on a un casque bien meilleur que le... On a un casque bien meilleur que le platinium. Si vous craftez un casque en platinium, vous verrez qu'il est moins... Il est à 5 de résistance, enfin 5 de défense. Sur 6 pour le ancien Shadow Helmet. Donc, bah bref, en fait, on peut retourner. On peut retourner chez soi. Et on va déposer un peu tout ce qu'on a. Tout le petit caca. Hop. Ici, on vient là. On fait ça. Ici, on vient là. On fait ça. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, il faut aller là aussi. Et on fait ça. Donc ça, on peut déposer là-dedans. Ça, on peut déposer là-dedans. Ça, on peut déposer là-dedans. Ça, on n'en aura pas besoin. Ça, 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 ça. Ça. Statue de... Slime. Ouh. On va garder.
Des chandeliers en argent, on va garder aussi. On va en déposer un là. Voilà, et un... là. Et on va aller près de l'extractinateur. Parce que oui, c'est l'heure de l'extractinateur. Et on a... Eh ben, on obtient de tout. 200 blocs sont passés, eh ben... Vous voyez tout qui défile. Pièces d'or, 40. 40 pièces d'or. Mais on est à 40 pièces d'or. Alors imaginez avec tout ce qu'on va vendre après. C'est bien sûr des choses qu'on n'a pas besoin. Minerai d'or, émeraude, titane, lead, pièces de cuivre, pièces d'or, 7. Ouf. Bon. 41 pièces d'or. 41. On va venir près de lui et on va lui vendre. Ça. 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 Et ça aussi. Donc là, je pense qu'on est plutôt bien. On est plutôt bien même. Un miroir magique, on va en garder un, hein, toujours en stocker, hein. Très important. Donc là, on est plutôt bien au niveau ressources, vous voyez, assez vite. Maintenant, qu'est-ce... Oula. Oui, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la gauche. Parce que qu'est-ce qu'il y a vers la gauche? Justement, il y a cette petite structure dont on avait pas parlé la dernière fois, et on va y aller. On va y aller à pied, on est obligé de toute façon. Et une fois là-bas, je vous expliquerai ce qui va se passer. On va se promener un peu aussi. On va en profiter pour expliquer... Non, pour expliquer ce que je veux expliquer. En fait, je vais vous expliquer ce qu'il y a là-bas. Simplement, en fait, la structure qu'on a trouvée, c'est un donjon. Je ne sais plus si j'avais dit ou pas. C'est un donjon, donc le donjon, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une très grande galerie souterraine. En dessous de ça, il y a des structures qui descendent jusqu'à la moitié du monde. Où il y a des mobs, bon, toujours, des mobs spéciaux qui popent là-dedans. Surtout, il y a des loots, pas rares, mais il y a des loots spécifiques à ça, qui sont très intéressants. Donc ça peut être, par exemple, des armes magiques qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser, qu'on n'a pas encore... trouver ou crafter, parce qu'on peut crafter des armes magiques, mais bon, moi ça m'intéresse pas. Oh, donc on va aller là-bas justement pour essayer de récolter ces choses, enfin récolter ces choses, pouvoir essayer d'avoir le biome corruption s'étend jusqu'ici, pour essayer d'aller chercher ces choses. En avant, cours toi. Hop là, voilà. C'est très pratique le saut puis le... Oh. Le vol. Oh, touché. Hop. Voilà, le biome corruption s'étend extra. Bloc de sable d'ébène. Le biome corruption s'étend extrêmement loin et ça je n'aime pas. Comme vous l'avez vu, quand on a demandé à l'Adria de combien d'états... Enfin, quel est l'état de notre monde, il a dit 11% infecté. Corruption s'étend à 11%. 11%, c'est énorme dès le début. Parce qu'il faut savoir qu'après, la corruption va s'étendre, elle va aller encore plus loin.
Et là, ça va être très très bien. Récolter des champignons infects. Champignons infects, oui. Pour un craft pour plus tard, mais là, on en a pas besoin. Les zombies, on va les tuer. Hop. On va reprendre un peu de bois si on peut. Non, on peut pas. Bien sûr. Si on a plus de pioche, c'est cool. Oula. Tu te calmes, toi. Bon, j'espère qu'on y est bientôt. Oui. Enfin, de toute façon, on y est, ouais, mais il y a des choses. Oh, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Que dalle. Des robes. Tant pis, on va laisser là. En avant, je vole. Hop, ici. I believe I can fly. Hop. On va ouvrir la mini-map sur le côté pour voir dès qu'on y sera. Encore une petite plaine à parcourir. Ouh, un slime. Slime bugué. Ah, mais il est bugué. Oh, merci. Hein. Ah mince. Ah. Ah, d'accord. Bon. Oh. On peut changer la couleur. Oh. Ouais, comme vous le voyez, ce qui est ici, c'est une commode. Et on peut changer la couleur de ses habits si on veut. Hop. Hop. Si on fait un habit en rouge. Si on enlève ça. Oh, c'est cool. Bon, de toute façon, on ne voit pas mon armure. Bon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé ici? Comme vous voyez, il y a ce petit personnage là. Ici on fait clic droit. Revenez à la nuit tombée si vous voulez entrer. Je vous le conseille directement, ne rentrez pas dans ce donjon. Pourquoi? Parce que si vous rentrez et que vous descendez un peu, vous allez vous faire tuer par un espèce de boss à 900 000 points de vie. Il va vous one shot. Il va faire un cri, il va vous foncer dessus, vous allez te faire one shot. Peu importe l'arme que vous avez. Donc pour ça il faut... comme le dit ce petit monsieur, retourner à la nuit tombée, pourquoi faire? Justement parce que ce vieil homme, il a une malédiction. Et il faut l'y débarrasser, pour ça il faut invoquer sa malédiction la nuit. Elle ne s'invoque que la nuit. Sa malédiction c'est vaincre un boss. Donc pour ça, il va falloir attendre la nuit et je vais faire une petite ellipse en attendant ça. Allez, attends tout le monde.